le député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, quand Rogers Communications a proposé la construction d'une tour sur la rue Notre-Dame-Ouest à Trois-Rivières, l'opposition fut instantanée. Pourtant, la compagnie pourrait décider d'aller de l'avant, malgré la grogne citoyenne et le refus de la municipalité. Bien qu'un éventail de solutions ait été proposé, la consultation prévue dans la loi pourrait n'être qu'un détour imposé. Comment se fait-il qu'en 2018, le premier ministre puisse laisser une entreprise de télécommunications s'imposer malgré le refus d'une municipalité et de ses citoyens? Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous comprenons à quel point l'accès à l'information, l'accès à des données et à l'Internet d'haute vitesse à travers le pays est très important pour la croissance économique, pour la capacité de nos citoyens de participer pleinement dans les emplois et la création d'emplois dans l'avenir. Nous nous attendons, par contre, que toutes les entreprises privées qui y sont chargées soient en train de le faire de façon respectueuse envers leurs citoyens. Nous allons faire un suivi sur cette question.